C'est après avoir participé à deux importantes réunions internationales à La Haye, puis à Panama City, que le garde des Sceaux, ministre ivoirien de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a rencontré son homologue de France, Christiane Taubira, à Paris. Au centre de l'échange qui a duré près d'une heure, le renforcement de la coopération au plan judiciaire. Nous avons travaillé évidemment sur la formation des magistrats, sur des sections spécialisées que nous avons ici, sur la création du parquet financier national que nous venons de créer par la loi, dans la lutte contre l'évasion fiscale et contre la grande délinquance économique et financière. Nous avons également envisagé des formations pour les personnels pénitentiaires. Pour le ministre ivoirien Nyinema Mamadou Coulibaly, qui a présenté ses ambitions, celle de donner à la Côte d'Ivoire une justice crédible et fiable, la France reste un partenaire de choix. La France reste un de nos partenaires privilégiés sur lequel nous pouvons compter chaque fois que nous avons des préoccupations, nous échangeons, nous trouvons ensemble des solutions et il y a de bonnes perspectives.